nous avons été interpellés par écrit par une nouvelle organisation tunisienne qui est le Front du 14 janvier. Il y a deux représentants ici du Front du 14 janvier qui ont demandé à l'UPJB de pouvoir s'exprimer devant notre public et nous rencontrer à la fois parce que nous sommes une organisation de gauche et qu'eux aussi se reconnaissent dans les valeurs, les engagements de la gauche en général, mais aussi nous ont dit parce que précisément nous sommes une organisation juive et que pour eux le dialogue judéo-arabe est en soi un enjeu important pour nous aussi, et donc nous avons volontiers accepté cette invitation. Le 14 janvier s'est un petit peu constitué dans différentes parties en Europe aussi, donc dans différentes régions en Tunisie, mais aussi en Europe, parce qu'il faut aussi savoir, et ça bien sûr vous savez, c'est que, ok, il y a eu un mouvement à l'intérieur, mais il y a eu aussi ce mouvement extérieur par des cyberactivistes. On a suivi vraiment l'info directe jour et nuit. Et donc, c'est ainsi, même en étant ici en Belgique, on s'est senti, partisan de ce mouvement, de cette révolution qui bien sûr, n'est toujours pas terminée. Et donc, le Front 14 est composé de 10 partis politiques d'extrême gauche et de gauche, comme notamment le PCET. Et donc, il avait 14 revendications, moi je ne les connais pas par cœur, notamment la première, la plus importante, c'était évidemment de faire tomber le gouvernement de Ranouchi et toutes les personnes, toute autre personne qui faisait partie de l'RCD, donc la dissolution de l'RCD, formation d'un gouvernement d'unité nationale, donc le peuple, les forces progressistes, des organisations, des associations, des syndicats, etc., etc. La dissolution de la Chambre des députés aussi, le démantèlement de la structure politique de Ben Ali. On a demandé aussi des élections d'une assemblée constituante. La dissolution de la police politique, par exemple. Aussi, une autre revendication, c'est la traduction en justice, justement, de toute personne ayant commis des arrestations, des actes illégaux, les tortures, les meurtres, enfin, toute la corruption. Donc aussi, c'est pour ça qu'on demande aussi le gel des biens et que tout cela retourne au bénéfice de la population, donc la confiscation des biens. Et aussi, un point très important, c'est qu'on aimerait bien créer, évidemment, des nouveaux emplois, une allocation de chômage, une assurance santé, etc. Bejraïsati, en tant que Premier ministre. Là encore, on n'est pas content parce que Bejraïsati, Raphaël, il vous en a parlé tout à l'heure un petit peu, c'est un ancien bourguibiste, encore une fois, non représentatif de la population, et surtout qu'il a des antécédents en lien avec, puisqu'il était ministre de la sécurité de l'intérieur. Voilà, donc, enfin bref, il a apparemment du sang sur les mains, je dirais. Mais très intelligent, il vient avec une petite stratégie. Ok, pour calmer la population, je vais répondre à vos revendications. Et c'est ainsi qu'il crée donc la haute instance pour la réalisation des objectifs de la révolution. Donc, cette haute instance, elle devrait normalement préparer l'Assemblée constituante. Et je vous dis, il est assez stratégique dans le sens où il va prendre des membres, des ex-RCDistes, petit à petit des partis qui étaient donc dans la comité, ils vont passer à la haute instance. Et qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Tu pourrais un peu plus expliquer là-dessus, parce que là, je ne saurais plus où se trouve la...
Donc le bas qui blesse entre la haute azur. Tu vois cette similitude entre les deux en fait. Donc en gros, la stratégie est simple. Chaque fois que la population a des revendications précises, dans un sens progressiste au sens large, pour la démocratie, en tout cas liberté d'expression et institution d'un régime, en tout cas plus transparent, à ce stade-ci c'est déjà beaucoup, la stratégie du pouvoir en place, qui pour nous est le même à peu de choses près que l'ancien, c'est de créer des institutions parallèles qui finalement vont vider les institutions émanant de la revendication populaire. Donc, vous avez chaque fois un comité de sauvegarde de la révolution et puis un truc qui s'appelle haute instance, qui est très compliqué, pour la réalisation des objectifs de la révolution. Les objectifs, donc déjà se mettre d'accord sur les objectifs. C'est une stratégie qui a été théorisée très souvent. L'Assemblée constituante aussi, c'était une revendication populaire qui a été reprise. Donc le but est de donner d'autres oripeaux, d'autres vêtements à des réalités qui ont toujours existé, et finalement désorienter le mouvement. Il y a deux questions qui ont été soulevées, c'est-à-dire la question de la parité aussi. Donc, la première, demande de la haute instance, et où il était question donc de 50% d'hommes, 50% de femmes. La SEPSI, par exemple, il commet déjà... une erreur dans le sens où il avait soutenu plutôt 70% d'hommes et 30% de femmes. Il commence aussi à perdre son succès lorsque, au départ, normalement, on disait que les personnes était dans le pouvoir depuis les 23 dernières années, ne pouvait plus exercer dans le Parlement ou autre. Il a remonté cela à 10 ans seulement. L'arme de la terreur et de la peur, de la montée de l'islamisme, on a compris que c'est une stratégie aussi pour que finalement les personnes, comme fondamentalement la population tunisienne est quand même une population laïque, la femme elle s'est battue aussi pour, maintenir ses droits. C'est pas aujourd'hui qu'on va élire un parti islamiste et revenir en arrière. Donc, et forcément, qu'est-ce qu'on aurait, résultat des courses, le jour des élections, on n'aurait pas eu le choix, ça aurait été comme en France à l'époque, soit il fallait voter Le Pen, soit c'était Chirac, alors on préfère voter Chirac, donc cette fois-ci on aurait pu voter SEPSI. Heureusement, on attend une deuxième révolution, donc c'est pour ça que la révolution n'est pas terminée, et on espère qu'avant les élections, donc une nouvelle revendication justement du Front 14 janvier, c'est aussi de retarder les élections pour le mois de septembre. On demande qu'on postpose les élections, pas seulement parce qu'il n'y a pas d'argent, parce que dans ma famille, personne ne connaît un nom de parti en dehors du RCD. Non. Et la culture marxiste, la culture d'organisation, ne fait pas partie des acquis. Ça a été de la propagande depuis 1956. Il faut bien comprendre que 55 partis, il y en a peut-être 3 qui comptent. Et ça, c'est ça qui est le plus dur à... Parce qu'aujourd'hui, il y a un esprit de « je suis un parti à moi tout seul ». Je suis éduqué, je voterai pour X ou Y, et c'est pas parce que tu as milité 40 ans que ça te donne plus de légitimité, d'autant plus que comme ce sont les jeunes des quartiers défavorisés de l'Est et des zones défavorisées totalement de l'Ouest qui ont tout pris à bras le corps, bien sûr l'oligarchie a lâché Ben Ali quand elle a compris qu'il n'y avait plus d'espoir. Rachid. Et un petit peu à monsieur, ça va répondre un petit peu à votre question aussi. Je pense que le fait. Monsieur Offon, vous avez aussi relevé la question antisémitiste.
Je pense que le fait déjà que Raphaël et moi-même nous sommes venus et vraiment, on avait vraiment le désir d'être présents ce jour à GB, c'est pas pour rien, parce que justement, on n'est pas du tout antisémite. Et que ce point que vous avez fait... Je ne suis pas antisémite. Non, vous parliez de... Je suis anti-sioniste et du PJB est anti-sioniste aussi, ou asioniste. On voulait rompre toute relation diplomatique et surtout l'entité sioniste, etc. Ça, c'est une question qui a été traitée à l'intérieur du Front. Une des raisons pour laquelle, justement, on s'est séparés, on s'est recomposé, on n'était pas d'accord, parce que justement sur ce point-là, comme d'autres points, il fallait remettre cela en question. Bien sûr, c'est inspiré, comme disait monsieur, le PCT fait quand même en grosse majorité partie du franc 14 au départ. Vous allez dire, oui, peut-être qu'ils ont utilisé cette vitrine. Non, à l'intérieur de cette vitrine du franc 14, il y a quand même d'autres personnes qui pensent quand même différemment. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, en réponse à ce que vous dites... Mais en Belgique, l'organe du front du 14 janvier en Belgique, est-il anti-sioniste ou pas? C'est tout ce que je veux savoir. Non. Vous êtes pro-sioniste. Non. Mais enfin, elle n'a pas dit ça. Écoutez, je vais te répondre, monsieur. Oui, mais c'est une question importante, hein, les Tunisiens doivent savoir. Le point numéro parle de rompre des relations avec l'entité sioniste. C'est bien ça. Effectivement, au départ, ça doit être le 14, 15, 16 janvier, le front 14 janvier dans la hâte du regroupement donne 15 points qui sont tout de suite discutés. Les points du début sont pour nous les plus importants pour la majorité des gens, c'est-à-dire c'était la chute du régime, la dissolution du RCD, assemblée constituante, blocage des comptes, enfin toutes les avancées démocratiques. Effectivement, il y a une grosse discussion sur le point de rompre les relations avec l'entité sioniste et beaucoup de gens disent oui, mais techniquement, ça veut dire quoi ? Rompre les relations avec l'entité sioniste. Officiellement, la Tunisie n'a pas de relations avec l'État d'Israël. Donc, officiellement, officieusement, oui. Non, officieusement, hein, bon. Officiellement, non. Donc, la plupart des gens dans la ferveur du 14 janvier, dans tous les groupements, parce que le Front 14 janvier, nous, on le voit d'abord comme une réaction de type démocratique populaire, qui a amené toute une série de gens qui n'étaient pas spécialement politisés. Donc, je rappelle, le Front 14 janvier, ce sont 10 partis, plus une plateforme citoyenne. Ça n'a jamais été ni plus ni moins que ça. Comme disait monsieur, le PCOT a été l'élément d'impulsion, aussi parce que c'est le parti qui, dans la clandestinité, était le mieux organisé. Mais, comme a dit Nadia, très vite, au bout de même 15 jours, 3 semaines, des entités plateformes qu'on appelle 14 janvier ont essaimé même en Europe, évidemment, à la faveur de la réalité du continent dans lequel on est, ces points étaient encore plus discutés. Mais ils sont également discutés sur place. Donc, personnellement, et je pense au front, tout le monde rejette le sionisme que moi j'explicite comme étant une idéologie de type nationaliste, avec occupation d'un territoire. Cela dit, quand on utilise ce genre de vocabulaire, et d'ailleurs il y a eu, c'est pour l'historique... Le nationalisme plus le racisme, c'est le fascisme. Non, c'est pas du simple nationalisme. La tribune pour le moment. Le sionisme à la base est une idéologie de type nationaliste. Bon, je suis politologue de formation, et c'est une idéologie de type nationaliste qui peut s'assimiler, je vais aller très loin même, à une idéologie de type nationaliste comme les Hongrois ou les Croates l'ont eu. Bien sûr, il y a une dimension religieuse qui surtout s'est incarnée dans un territoire. Voilà, j'essaie d'être le plus précis possible. Alors... Le plus prudent. Voilà. Non, je ne suis pas prudent, je dis comme c'est. Bon. Le sujet, c'est pas le sionisme. Enfin, puisqu'on est dans le nœud du problème,
moi, personnellement, j'ai fait un mémoire sur les Palestiniens. Donc, je n'ai pas à me dédouaner publiquement, mais c'est vrai que même dans la traduction en français du point numéro 12 ou 13, il y avait déjà dans la traduction de l'arabe et du français, déjà à la base une bagarre. Et on se rappelle de discussions du front 14 janvier, Italie, France, Espagne après, et puis Suisse, où directement les Tunisiens d'Europe ont dit, bon, ce point-là, comment est-ce qu'on va le défendre? Parce que je rappelle, tout le monde n'est pas politisé à l'extrême gauche, à la gauche, ou à la social-démocratie. Des gens dans un mouvement de type populaire, comme ça a été ce qu'on considère comme le début de la révolution, tu as des gens qui ont été totalement apolitisés depuis qu'ils sont nés. Donc il faut, dans la pédagogie de ce qu'on présente, être précis. On ne demande ni un appui, ni une confrontation. Le problème, ici c'est vrai, le PCOT a orienté ce point en accord avec un autre parti, c'est le parti bassiste, qui lui était peut-être plus loin dans la revendication, mais dans la plateforme telle qu'elle est, je le dis honnêtement, l'horizontalité est telle qu'au sein du 14 janvier, tu peux même être d'accord avec un seul point sur les 15. Parce que le but, et c'est ça ce qui est nouveau, c'est parce que tu dois bien te rendre compte que la révolution tunisienne, c'est pas une révolution strictement politique. Au point que, pour répondre en allant plus loin, les partis politiques sont totalement dépassés. Pour revenir à Nahda, par exemple, c'est un parti qui a été interdit, purement et totalement. La critique de certains Tunisiens vis-à-vis de Nahda, pas pour le point de vue religieux, ça on en reviendra, mais c'est qu'on a reproché à M. Ranouchi, qui était en exil, d'avoir très peu de modestie par rapport à ce qui s'est passé sur place. Et c'est la même critique qu'on a formulée aux autres partis. Par exemple, pour prendre le cas du POCT, beaucoup de gens ont une immense admiration, islamiste y compris, pour Hammam, parce que Hammam y a défendu même, via sa femme, Radha Nasraoui, mais en lui-même, même physiquement protégé, certains islamistes ou considérés comme sympathisants de Nahda contre Ben Ali. Mais Hammam est considéré comme un grand militant et quelqu'un qui, en 1972, a fait de la prison, mais son parti, dans l'assise populaire, ne représente que ce que représente un parti d'extrême gauche en Italie ou en Belgique ou en France. Donc, la politisation, la apolitisation, est telle que ça va même être difficile aujourd'hui de créer une culture de parti. Que ce soit Nahda, pourquoi Nahda? Bon, je réponds là encore à monsieur, pour moi Nahda peut faire 20%. 20%, c'est plausible, 20-25%. C'est tout à fait plausible. C'est l'équivalent d'un parti conservateur dans un pays relativement religieux. À considérer que 70% de la population tunisienne est relativement religieuse. Je n'ai pas dit incroyant, j'ai dit les 30% d'autres. Bon, en Tunisie, ça va de l'indifférent au... à l'agnostique incroyant. Donc, il ne faut pas se faire d'illusions. Ma grand-mère ou ma tante, pieuse mais pas pratiquante, est susceptible de voter Nahda pour des raisons qui vont du la piété, la sécurité, le fait que, voilà, on est en période d'instabilité et donc on a besoin de se raccrocher. Les gens n'ont pas l'impression de voter pour un parti qu'ils considèrent comme extrême. Donc la discussion est tout à fait ouverte. À la limite, je vais te dire, si quelqu'un d'islamiste rentre dans le front 14 et est en accord avec certains... Islamiste, pour un Tunisien, c'est un terme qui ne convient pas. On utilise ça en Occident, pas en Tunisie. Vous avez déjà eu la parole. Oui, mais d'accord. Vous avez l'habitude d'inspiration. Pour un Tunisien, là, où on se discute tous les jours et on ne dialogue plus. Tout à fait. Franchement, tout à fait. Mais je pense qu'on n'est pas à ce niveau. Le problème, Bachid, c'est qu'il y a des connotations qui sont en français comme islamiste, le iste, qui dénote une idéologie, il existe en français pas en arabe. Donc, je ne vois pas comment. Parce que dire que c'est un mouvement simplement conservateur, ce serait quand même pas être exact.
L'inspiration islamique. Oui, oui, mais qu'est-ce que ça veut dire l'inspiration islamique? Parce qu'à une époque, Emité et Nard considéraient qu'il fallait passer par une révolution de type islamique. Donc en ce sens-là, ça contrevenait au régime républicain. Donc aujourd'hui, je dois même te dire, je ne connais pas le point de vue précis de Nard sur la nature du régime. Parce que, il faut être ok, je crois que la majorité des gens sont d'accord pour un régime de type républicain. À partir du moment où tu demandes un califat ou un émirat ou une république islamique, en sachant quand même que la Tunisie est déjà un État musulman, c'est la constitution qui le dit, la religion de la Tunisie est l'islam. Bon, islamiste, pour moi, c'est un terme en français pour dire que ça dénote une idéologie qui va au-delà du caractère religieux. Pour conclure sur la question de Nard, s'ils font 20%, ben, ils font 20%. Est-ce que tu veux que je te réponde? Pour moi, ils feront 20-25%. Ça ne me plaît pas. Mais je ne suis personne pour dire... Oui, je dis personnellement, ça ne me plaît pas. Mais bon, moi, je suis plutôt laïque dans le sens où, pour moi, la séparation des pouvoirs et une séparation de l'État et de la religion, c'est notre modèle culturel dominant, approprié par la majorité de la population. Si maintenant une partie, 20% de la population veut remettre en question, ben il va falloir discuter. Il va falloir discuter, parce que bon, il y a ce que j'appelle des intangibles du problème. Après, l'existence d'un parti religieux dans des institutions démocratiques, mais à prouver qu'on est dans des institutions démocratiques. Parce que on me reprend toujours l'exemple de l'AKP en Turquie. Ok, d'abord la Turquie c'est pas une démocratie, hein. Deux, quand tu as un régime qui a institutionnalisé la laïcité presque en dogme politique, ben, tu peux avoir un parti islamiste, la structure étant tellement rigidement laïque que c'est même pas grave. Mais dans un parti qui n'est pas, dans un État qui n'est pas laïque formellement, car l'État tunisien n'est pas un État laïque, c'est un État musulman, à inclination laïque, tout tend vers la laïcisation. Tu remets un acteur très conservateur dans le jeu, sachant que en Tunisie le sujet religieux est très délicat, plus qu'ailleurs, c'est-à-dire entre nous, au point qu'il est éjecté des conversations, parce que chaque fois qu'on parle de religion, ça finit en bataille. Il n'y a pas moyen de trouver un consensus. Tu as un cousin qui est complètement chaud du matin au soir, tu en as un qui prie pas mais qui boit, l'autre qui boit qui prie, l'autre qui prie jamais. Bon. En voulant pas choquer la grand-mère, voulait pas choquer mon père, et parce que ceci, bon, ok, moi je veux bien. La laïcité en France est arrivée à un moment où le protestantisme, le catholicisme ne pouvait plus cohabiter dans la structure que l'État français a imposée. Là, il a fallu trouver un modus vivendi. Il faut trouver un modus vivendi. Je suis partisan d'aller très loin dans la participation de Nard dans le régime démocratique quand il y en aura un. Je m'excuse juste de dire que pour moi, il y a des intangibles. Mais les intangibles, c'est aussi la sécurité sociale, une couverture pour tout le monde, ce sont des intangibles. Je me battrai autant contre Nard que contre les tendances ex-nouveau RCD de nous dire que la sécurité sociale, c'est un vœu pieux qu'on pourrait colporter comme ça d'Occident et que ça ne marcherait pas ici. Donc le débat, il est plus large que la religion. Pour conclure le truc, il faut aussi être cohérent, Rachid, je veux dire... l'état de sécularisation de la Tunisie est tel que, bon, à un moment donné, on va se poser des questions de type civilisationnel. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une tendance, même plus à gauche que nous, qui est pour la laïcisation totale. Personnellement, je ne suis pas certain que ça va apaiser les esprits. Donc la question n'est pas seulement est-ce qu'on accepte... au cœur du système, la religion, au cœur du système, la religion, elle a des aspects qu'on considère comme rétrogrades. Faut-il laisser la religion dans des aspects rétrogrades uniquement dans la sphère privée, au choix de chacun de suivre ou pas suivre, ou bien on en fait une question publique au risque d'avoir tout le temps, le même type de débat.
Mais c'est une opinion personnelle. Je vais répondre à une série de questions et je terminerai en en reprenant certaines par rapport au processus et à la situation qui est assez ouverte. Alors la première question sur l'armée, on ne peut absolument pas mettre en parallèle l'armée tunisienne qui est une petite armée avec l'armée égyptienne qui est en fait l'ossature de l'État égyptien et qui est un empire économique. L'armée tunisienne n'a absolument aucun intérêt économique, d'aucun ordre, et partant, si on est un peu matérialiste, n'a pas d'intérêt politique. Donc je crois qu'on l'a adulée parce qu'elle n'a pas tiré sur le peuple, et puis maintenant on commence à se rendre compte qu'elle a quand même un petit peu tiré. Il y a eu quand même deux morts à Ouagdamine, et récemment il y a eu des incidents, et on s'aperçoit qu'elle n'est pas si neutre que ça, mais c'est, en dernière analyse, elle se rangera évidemment du côté du pouvoir, mais elle n'a pas un rôle moteur dans les événements. En ce qui concerne l'UGTT, là en revanche, je pense que c'est quelque chose qui a un rôle beaucoup plus central dans la situation. C'est pas seulement que l'UGTT a soutenu puis s'est rallié dans le camp du gouvernement, c'est plutôt que c'est un appareil qui était soumis, un appareil dont la direction était inféodée au parti historien, puisque aux dernières élections, l'UGTT avait simplement appelé à voter Ben Ali. Donc c'était clair, c'est la direction, mais à la base de l'UGTT, qui est une centrale syndicale unique et dont le nombre d'adhérents est pléthorique parce que pour les fonctionnaires, vous avez une affiliation automatique, donc ça représente vraiment toute la population laborieuse du pays. Entre parenthèses, maintenant, dans le secteur privé, il y a un taux de syndicalisation qui augmente depuis la Révolution à une vitesse extraordinaire. Donc elle est traversée par des deux courants, le courant de la base qui a participé à la Révolution, qui l'a accompagnée, donc c'était une révolution pour l'emploi, c'était une révolution des chômeurs, et puis la bureaucratie de l'UGTT qui a tergiversé et qui a fait un mouvement de balancier entre sa base et puis Ben Ali quand il était encore au pouvoir dans les derniers jours. Vous savez que quand certaines branches de l'UGTT qui sont tenues par, disons, des militants plutôt de la gauche ou de l'extrême gauche syndicale ont appelé un rassemblement fin décembre devant la centrale syndicale à Tunis, alors que c'était encore les régions paupérisées du centre et du sud qui manifestaient, mais que la révolution n'était pas arrivée ni dans la capitale ni dans l'Est. Ces centrales syndicales ont donc fait un rassemblement place Mohamed Ali pour dire Ben Ali dégage. Le lendemain, le secrétaire général de l'UGTT a fait un communiqué pour dire que ce rassemblement n'avait pas été appelé par la centrale, et en plus, évidemment, il décriait les mots d'ordre, il rejetait absolument ces mots d'ordre dont il n'assumait pas la responsabilité. Ce qui n'a pas empêché que quelques jours après, 15 jours plus tard, exactement, il appelle le même secrétaire général Abdeslam Jemad à une grève générale. Alors, certes seulement de 2 heures, et comme il est encore bureaucrate, il ne pouvait pas dire « moi, j'appelle à la grève générale et appeler des secours de chiffon rouge ». Il a dit, pour calmer le jeu dans tous les sens, il a dit « je laisse à chaque fédération ou chaque union locale le soin de se débrouiller ». Mais elle pouvait quand même appeler à une grève générale de 2 heures, et c'est pas tous les jours qu'en Tunisie on avait une grève générale. Donc le 14 janvier, le jour du départ de Ben Ali, il y a quand même eu une grève général appelé par l'UGTT qui, là même après, a effectivement participé au gouvernement Anouchi, puis après on est parti, et puis après a dit qu'il le reconnaît. Et dans la foulée, et c'était quand même un coup tordu, on est arrivé à l'instance dont a parlé Sarah tout à l'heure, Nadia évidemment. C'est-à-dire ce Conseil de protection de la Révolution qui n'était pas au départ une émanation de la base. Vous aviez des structures autogérées dans des villes qui étaient des émanations des comités populaires de la Révolution. Et puis l'UGTT, qui venait de reconnaître le gouvernement Anouchi, donc a voulu instituer, disons, une instance de partenariat avec ce gouvernement Anouchi. Et dans cette instance se sont engouffrés les partis, les associations, les syndicats, etc., etc. Finalement, cette instance, au vu de ce qu'on connaît maintenant, était un peu plus légitime que la haute instance que vient de créer le gouvernement qui tient toujours les rênes entre ses mains, les rênes de la direction du processus. Mais c'était une instance qui devait être partenaire, ce qui a créé sûrement, je pense, au sein de nos amis du 14 janvier, des débats, puisque
dans le Front du 14 janvier, il y avait des gens qui ne reconnaissaient pas le gouvernement Ranouchi, et voilà que l'UGTT crée ce Conseil de protection de la Révolution qui s'érige en partenaire de ce gouvernement. Bon, ça, c'était quelque chose de très, très habilement mené par la centrale syndicale qui mène un jeu assez perfide. Laquelle centrale syndicale est particulièrement muette depuis quelque temps. C'est-à-dire que vous avez un processus de grève et de mobilisation inédit dans ce pays depuis le 14 janvier. Il n'y a pas un jour sans qu'il y ait une boîte en grève, une manifestation pour l'emploi ou pour les augmentations de salaire, ce qui n'est pas du luxe. Hein, vous savez qu'il y a des chômeurs qui continuent les manifestations. Ils sont venus une fois à 500 de cimenterie de Gabès, ils ont dit un emploi, sinon on s'immole tous par le feu. Bon, ils ont uni l'emploi et ils se sont immolés, mais c'est pour vous dire que c'est pas, comme l'a dit quelqu'un dans le débat, c'est pas l'économie reprend ou les gens palabrent, c'est que les gens simplement continuent de lutter parce que les objectifs de la révolution, c'est-à-dire l'emploi et les droits sociaux, n'ont pas du tout été, leurs revendications ne sont pas satisfaites tout simplement. Donc le processus continue et les instances mises en place par le pouvoir ont tendance à focaliser toute l'attention et voudraient qu'on focalise uniquement tout sur la constituante et qu'on remette le pays au travail et qu'on oublie le point de départ de la révolution. C'est pour ça que régulièrement, il y a ce qu'on appelle TASBA 1, TASBA 2, TASBA 3 et 4, bon, etc. Ce n'est pas moi qui décide, qui vont rappeler à ce gouvernement qu'il y a eu une révolution qui a été faite par des jeunes en panne d'avenir et par des chômeurs. Alors, dans tout ce processus, des jeunes qui ont 20 ans, qui savent ni ce qu'est Narda, ni ce qu'est le POF, ni ce qu'est le 14 janvier, ni ce qu'est le RCD. C'est-à-dire que c'est des gens qui vomissent tout et on a une rupture générationnelle. C'est-à-dire que tous ces gens qui sont à la base ont une attitude absolument défiante par rapport aux partis politiques. Au point que ça crée même même je pense des problèmes relationnels simplement tout simple dans la vie de tous les jours entre des gens qui soutiennent le processus révolutionnaire et les révolutionnaires eux-mêmes. Bon, ça c'est quelque chose qui va être très très dur à manier dans les jours qui viennent. Alors, parmi les acquis de cette révolution, on a légalisé 55 partis politiques. Bon, ça c'est normal. Hein. Je crois qu'en Pologne, quand il y a eu la chute de la dictature, on en avait légalisé 300. Bon, bref, peu importe, ça c'est une inflation. Mais alors, bien malade, il va dire qui va l'emporter aux élections. Alors, dans les 55 partis, il y en a plein qui ont exactement le même programme. C'est-à-dire qu'il y a une pléthore de partis que j'appellerais libéraux, démocrates, ou qui sont absolument pour le commerce, la liberté, la bonne entente de tout le monde, etc. Bon, bref. Et puis, pour les islamistes, il y en a plusieurs. Donc déjà, on ne sait pas comment vont voter les deux, pour elles, etc. Il y en a deux qui sont sortis de la matrice Narda. Et puis, il y a aussi le parti Tahrir, à qui on a refusé la légalisation. Donc on ne sait même pas s'ils vont voter pour qui, etc. Donc la question, moi je ne m'hasarderai pas en termes de pronostics électoraux, mais je reviendrai après pourquoi. Ce n'est pas seulement en termes de calcul, c'est plutôt en termes de la dynamique qui est devant nous. À la question de savoir pourquoi il y a des dirigeants qui sont partis et d'autres qui ne sont pas partis. Alors dans les pays arabes, tout le monde ne demande pas le départ des dirigeants déjà. Bon, il y a des pays comme en Tunisie, en Libye, en Syrie, au Yémen et à Bahreïn, où le départ des dirigeants est quand même voulu. C'est-à-dire qu'en Tunisie, on a arraché les portraits de Ben Ali. En Libye, on a brûlé le petit livre vert. En Syrie, on essaye de dégommer les portraits de Bachar, etc., etc. Là, c'est clair. Mais il y a aussi, tous les processus ne sont pas des processus anti-régime, mais des processus révolutionnaires au sens plein du terme. Il y a aussi des processus de rébellion avisés, que je dirais réformistes. Par exemple, le roi du Maroc, il est épargné, personne n'a dit « Mohamed VI dégage ». Et en général, ça vaut pour les monarques. Le roi de Jordanie, même chose. Je ne parle même pas du sultan d'Oman, puisque les manifestants à Oman manifestent pour des droits sociaux et des droits démocratiques en se promenant avec le portrait du sultan.
Mais pourquoi? C'est pas bon, ils sont sûrement très révérencieux, très courtois, mais c'est simplement qu'ils sont dans un processus de demande de réforme. Donc quand on demande des réformes, on s'adresse à quelqu'un. Donc on dit Yarkabout, donne-nous la liberté, Yarkabout, donne-nous des salaires, bon, etc. Donc il y a des processus où on s'adresse à un souverain pour exiger des réformes, il y a des processus où on veut la chute, comme on dit, du régime. Après, c'est vrai qu'il y a aussi des pays où on veut la chute du régime, il y a des régimes qui chutent. Moi, j'ai peur pour certains partis de gauche, hein. Ça va être la folie furieuse, hein. Parce que, je vais même vous dire, il y a des partis de gauche qui n'ont même pas un programme politique, même pas un programme économique. Tu fais 10%, tu vas appliquer quoi? Dans les groupements libéraux ou sociaux-démocrates, tu as un début d'application programmatique du style sécurité sociale, allocation, indexation des salaires. Ça, c'est une proposition que les Belges ont essayé de donner là-bas. Ils ont dit, ouais, comme ça. Bon. La non-matérialisation, c'est ça qui fait peur, parce qu'il y a des groupes qui ont été extrêmement puissants dans la clandestinité, dans les mouvements étudiants. Une fois que la révolution arrive, ils avaient tout prévu, sauf la seule chose, et là je vous rejoins Lisa, c'est ce qui a changé, c'est une mentalité qui a changé. Il y a une mentalité, il y a une libération des consciences qui fera que maintenant, quand il y a deux mois, je me souviens avec des compatriotes tunisiens, je disais pour moi que je les traitais de grêle en public. Quelqu'un m'a dit que c'était trop. De Grel, c'était un collabo, peut-être vous le connaissez, collabo nazi, une discussion sur ça. Mais Kaïd Essebsi, pour moi, est une incarnation de la dictature, mais en costard-cravate. Il y a un moment donné où, entre Tunisiens, on va se poser la question, hein, que même il y a un racisme interne chez nous, qui fait que si tu es blond ou bleu, on suppose que tu viens de monastir Madias Fax, et que de toute façon, tu es soit plus riche, soit plus instruit, soit mieux introduit. Et que quand tu parles avec le gay, moi j'ai dans ma propre famille à Tabarkade, j'ai une tante, hein, qui a un bac plus 4, hein, qui parle 5 langues, qui a fait tourisme. Hein. Et bien dans les hôtels à Tabarka, on ne lui a jamais donné un boulot, on lui disait tu parles avec le gay, jamais tu auras un travail ici. Le gay, c'est-à-dire le gay belgué. Par rapport au pas, qui est, disons, la moitié de la population parle avec le pas, mais ça c'est du racisme. Hein. C'est du racisme pur et dur. Quand en dialecte tunisien on appelle un noir aussi. Mais qu'est-ce que ça veut dire aussi en tunisien? Voilà, je veux dire, il faut aussi, même si c'est choquant, il faut voir la vérité. Hein. Ce n'est pas institutionnalisé, mais il y a un racisme basé sur la couleur de la peau et l'origine ethnique et la manière de parler. Hamam Amemi est un type, Hamam Amemi, même si on n'est pas athée et qu'on ne partage pas ses positions d'extrême gauche, c'est quand même honteux qu'à la télévision, des journalistes lui disent « faudrait peut-être que tu parles avec le parti ». Ça, c'est vraiment pour moi, hein, qui vient de l'Ouest, ça c'est l'idéologie à battre. Hein. Cette manière de s'exprimer, de très très grands bourgeois, qui ne bougera jamais, qui va mourir sur sa chaise, comme on dit en tunisien, et qui donne des leçons. Et sur Facebook, hier, est sorti, alors là, c'est génial, hein, je ne sais pas si vous le trouvez, mais le pédigré de Kaïd Essebsi, mais pas le pédigré de ce qu'il a fait, hein, parce que ce qu'il a fait, c'est un gerbet, hein, parce qu'il a été, hein, il y a eu un complot contre Bourguiba, il a fait assassiner 25 personnes dans une prison. Hein, bon. Les liens familiaux, il y a 10 familles. Hein, et quand vous regardez le journal La Presse, ça j'invite tous les Tunisiens à le faire. Ça c'est très drôle, depuis qu'on est petit on regarde ça, parce que de l'Ouest, nous, le monde ne veut rien dire, parce qu'on est tous pauvres. Vous prenez un faire-part de la presse, le journal de la presse, et vous voyez un peu les morts, ou les mariages, et vous voyez famille apparentée. Mais je prends une famille sfaxienne ou médoise ou tunisoise, mais c'est toujours les mêmes. Ils se marient entre eux. C'est une endogamie, mais même en Belgique on fait plus ça.